Salut, c'est Vincent, bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui, on est reparti encore sur un mariage. Alors aujourd'hui c'est un mariage un peu particulier parce que tu sais je te parle souvent que la meilleure chose à faire pour trouver tes premiers clients de façon gratuite, c'est de créer des partenariats avec les salles, avec les réceptions, avec les photographes, etc. Et là, ça va porter ses fruits. Donc je t'invite à t'abonner, bienvenue dans ce vlog et puis dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. Je viens d'arriver au domaine et en fait ça s'appelle, le nom de la rue c'est rue de la Rose. Et je viens d'avoir un flash, tu te souviens du titre qu'il faisait ? Au nom de la Rose, mon ami la femme, prête-moi ton corps. Tu te souviens de ça ? Si tu t'en souviens, dis-le moi dans les commentaires. Alors, pourquoi je te disais que j'ai fait cette introduction là, sur cette vidéo, sur ce vlog, en te parlant des partenariats tout de suite dans la foulée ? Parce que moi, tous les conseils que je te donne à travers mes vidéos pour que tu puisses développer ton activité et vivre de ta passion, tout ce que je te donne comme conseil, je l'applique moi dans mon business. Et donc évidemment, j'ai plein de partenariats avec différentes salles, différents photographes, des traiteurs, des wedding planners, etc., etc., etc. Et là, le photographe se marie et il fait appel à mes services. Donc c'est ultra flatteur parce que du coup, bah, ça veut dire que déjà tu fais bien ton boulot, il est content de toi. Et ce qui est drôle, c'est que tous les prestataires qu'il y aura là, le photographe, j'ai un partenariat avec lui, la salle, je la connaissais pas, mais le traiteur, c'est pareil, le saxo, il y aura un sax, tu verras, petite surprise, c'est pareil. Donc du coup, ne néglige pas les partenariats, c'est ce qui va te rapporter du travail facilement, gratuitement, sur du long terme. Allez, c'est parti, je vais installer la salle et on est parti pour une méga fiesta, mon pote. Même si j'ai le nez un peu bouché, on va faire la fête. Bon, je te montre la salle. Comme je te disais, c'est une salle que je connais pas. Ils sont pas nombreux, ils sont une soixantaine. Par contre, c'est une toute petite salle. Alors moi, j'aime bien les petites salles parce que du coup, ça met, c'est plus facile à mettre de l'ambiance. Tu vois, t'as une meilleure proximité avec les danseurs. Après, pour tout ce qui est du coup installation, matériel, c'est moins évident, je te montre. J'ai vu avec mon pote Jérémy, le photographe et le marié, enfin, il va pas faire les photos, mais moi je vais me mettre là au niveau des manches debout, tu vois, ici. Là, c'est toute la partie repas, et donc du coup, la piste de danse, elle est là, tu vois. Donc c'est pas une très grande piste de danse. Là, ça va être la partie vin d'honneur, mais comme le temps est un peu pourri, tu vois le gros nuage là, je sais pas si on va faire le vin d'honneur à l'extérieur. Bon, bah écoute, moi je m'installe, ce que j'aurais peut-être fait, je me serais peut-être mieux installé là-bas, là, tu vois, dans le fond, faire la piste de danse ici, et les tables là. Bon, l'avantage, c'est que la plupart du temps, les filles, elles dansent tout le temps, et les garçons, tu vois, ils sont souvent au bar. Et comme là, le bar, bah, il est au niveau de la piste de danse, j'aurais toujours du monde sur la piste de danse. Enfin, bien que je m'inquiétais pas trop, hein. On va mettre une ambiance de folie encore ce soir. Ça faisait un peu DJ de foire ce que j'ai fait. Hey, c'est parti, on y va, c'est parti ce soir, on y va, c'est soir à disco. On va mettre de l'ambiance, allez, tiki tchak, c'est parti. Hein. Bon, je te montre rapidement la petite install que j'ai faite, assez classique en somme. Hein, ils sont pas nombreux, donc l'idée encore une fois c'est de coller à l'architecture des lieux et au nombre de personnes, tu vois. Donc ce que j'ai fait, c'est que, alors je te montre, j'ai placé mes par LED. Alors je sais pas encore si je vais les laisser là parce que je suis pas certain que c'est une bonne idée de les mettre en hauteur, tu vois. Je me dis que quelqu'un qui passe et qui shoot dedans, il fait tomber et du coup il est défoncé. Donc je sais pas si je les laisse là, tu vois, en hauteur, ou si je les mets au sol. J'ai pas encore complètement décidé. Au niveau de la régie, j'utilise un micro AKG ici, table de mixage MA, contrôleur tractor, l'ordinateur, je l'ai pas encore branché, contrôle DMX pour gérer la lumière, pédalier parce que j'ai mis le pied de lumière là-bas dans le fond, tu vois. Parce que comme j'ai pas énormément de place, je me suis collé vraiment un maximum au niveau du mur. Donc du coup j'ai mis le pied de lumière là-bas. Contrôle DMX. Ici c'est la machine à fumer lourde. Donc voilà, et puis les ES602 assez classiques. Dis-moi ce que t'en penses toi dans les commentaires par rapport aux projecteurs, si tu les laisserais en hauteur. Ou si plutôt tu les mettrais au sol pour éviter l'accident. Pour l'instant, je les laisse comme ça, mais il y a quand même des chances que je les mette au sol, je pense. Bon, j'ai pris la décision de laisser les par LED sur la hauteur. Je trouve que ce sera bien, bien mieux et plus joli. Je te montre, tu vois. Donc ouais, donc j'ai, parce que si je les mets au sol, tu vois, le truc c'est que comme il y a un rebord, bah en fait du coup,
ça éclaire moins bien. J'en profite d'ailleurs parce que je vois, là on voit un petit peu la charge de la batterie. Souvent on me demande combien de la batterie, est-ce que c'est bien, est-ce que ça tient. Alors moi je les installe toujours en couleur fixe la plupart du temps. Et je fais deux prestats avec, voire peut-être même trois. Jamais tenté, mais je pourrais deux, c'est sûr. Parce qu'en général, au bout d'une soirée, j'utilisais un bon 20% de batterie. Donc j'arrive aux alentours des 80% restants. Donc tu vois, je pourrais faire au moins trois soirées. Jamais tenté, j'en ai toujours fait que deux. Bon, allez, on commence la presta dans une demi-heure. Comme tu peux l'entendre, je suis malade, j'ai le nez bouché et tout. C'est galère, tu vois, pour animer. J'ai l'impression de parler comme un canard. Et je suis crevé. Je suis pas au top de ma forme, mais c'est pas pour autant qu'il va falloir travailler à demi-mesure. Bien au contraire, on va foutre le feu. Let's go pour une entrée des mariés de folie. Let's go! Bon, dans la précipitation, j'ai oublié de filmer l'entrée des mariés dans la salle. Mais c'était le feu, comme toujours, j'ai essayé de filmer 2-3 parties, mais bon, les mariés étaient déjà rentrés sur un morceau bien électro en plus, donc ça envoyait bien du lourd. Je crois que ça va être une excellente soirée. Si j'arrive à survivre jusqu'à la fin. I'm just saying, 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 I'm just saying,
Tu vois, ce qui était cool, c'est que on a le saxo qui est venu, qui a joué. Donc ça met de l'ambiance de fou. Moi, j'ai un gros problème. J'entends plus rien d'une oreille. J'ai l'oreille complètement HS. Si là, je fais ça, j'entends plus rien. Donc c'est trop la galère pour bosser. J'arrive pas. Heureusement, je connais bien mes morceaux, etc. Mais c'est trop la misère. J'arrive pas à mixer. Mais bon, t'as vu, il y a quand même de l'ambiance. Enfin, quand j'arrive pas à mixer, ça va. Mais c'est juste que c'est ultra gênant. J'ai l'impression de parler super fort en plus, là, du coup. On continue de les faire danser. Let's go. J'espère que ce vlog te plaît.